Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours saison 2. Mon nom est Ludovic Beuzeron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer comment gérer sa colère. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce court programme, à le partager auprès de vos amis et si possible, à vous y abonner. Alors comment gérer sa colère? Voici trois moyens simples à utiliser systématiquement pour retrouver son calme et surtout plus de sérénité. Comme la joie, la tristesse ou la peur, la colère est une émotion liée bien souvent à un sentiment de frustration, une insatisfaction. Alors comment la gérer? En trois points, l'humour. Oui, l'humour est un excellent moyen car il fait baisser la tension et provoque une attitude plus positive. On se prend moins en sérieux et on rigole. Deuxièmement, prendre de la distance pour mieux contrôler sa colère. Quittez la situation, éloignez-vous, faites une petite promenade, allez respirer. Allez dans la salle de bain, par exemple, pour vous rafraîchir un peu. Troisième point, évacuez la colère. Et pour cela, prenez une feuille de papier, un crayon et écrivez une lettre. Oui, une lettre, en exprimant tous vos sentiments. Faites également du sport, de la boxe, allez courir, défoulez-vous, expulsez votre colère. Enfin, pleurez un bon coup. Quelquefois, c'est une bonne solution. En conclusion, n'acceptez pas sa colère, ne pas accepter sa colère est le meilleur moyen de l'ancrer en soi. Alors, acceptez votre colère. Acceptez votre colère et faites en sorte que vous puissiez la contrôler. À demain.